arrivé au Chili il y a environ 4 mois. C'est mon pays à présent. Colonia, c'est un film qui nous emmène en 1973 au Chili, pile au moment du coup d'état d'Augusto Pinochet. Daniel, un opposant au régime, se retrouve enfermé. Et Lena, sa copine, par amour, va se faire enfermer dans Colonia Dignidad, qui est une sorte de no man's land. Un lieu sulfureux dirigé par un gourou anciennement nazi. Il voulait créer un monde paumé au fin fond de nulle part, organisé selon ses règles à lui. Et si j'y allais, pour devenir adepte? Ça, je vous le déconseille. Vous pourriez ne jamais en ressortir. On est avec deux Européens qui sont magistralement joués par Daniel Brühl et Emma Watson, qui vont être complètement pourchassés par le nouveau régime mis en place. Ce film, construit comme un thriller, nous embarque complètement. On doit partir! Pour aller où? Je sais pas, on sort d'ici! C'est un film qui m'a fait un peu penser à Argo de Ben Affleck dans sa manière de traiter un peu l'histoire, mais de manière très haletante. Parce qu'au départ d'un fait totalement historique, existant, ayant existé, on réussit à rentrer dans un véritable thriller. Sans pour autant sacrifier la réalité historique, puisque c'est une histoire réelle. Vite, allez! C'est un film dont la dramaturgie est une véritable prouesse, une véritable réussite. Tu te dis que tu as commis une terrible erreur. Tu te dis que tu n'aurais pas dû venir.